Mance. Ouais. Bonjour Monsieur Calvi. Fumier. Ah. Bonjour Gérard Depardieu, qu'est-ce qui vous arrive encore? Ça fait 4 jours que les chaînes d'infos nous les brisent avec le soleil et la chaleur. Ils ont que ça à foutre? Bah, écoutez, les journalistes font leur travail. Ah, je savais pas. Je savais pas qu'il fallait avoir une carte de presse pour faire le planton à la plage. Hein? En ce moment, de Berck-sur-Mer à Cavalaire, il y a plus de baveux avec un micro BFM TV que de vendeurs de chichi. Oui, mais ça concerne les Français. Ah Gérard. Oui, ah, bah, c'est bien, oui. Tu crois vraiment que les Français, ils ont attendu CNews pour savoir le temps qu'il fait? Bah non! Ils ont ouvert leur fenêtre, les Français. Et peut-être même que, sans leur autorisation, ils se sont dit, tiens, c'est chouette, il fait beau, je vais me balader. Et sur qui ils tombent? Des journaleuses qui, après les avoir emmerdés pendant 3 mois, leur demander ce qu'ils pensaient du froid, leur demandent ce qu'ils pensent de la chaleur. Oh, les saletés! Bon, c'est quand même une information. T'as raison, c'est une information. Mmh. Hein, qu'en hiver, il neige et qu'il fasse froid, et qu'au printemps, il y a du soleil et qu'il fasse chaud, c'est une information de première bourre. Un vrai scoop. Ça mérite le prix Albert Londres. Fumier! Situation très tendue à Notre-Dame-des-Landes. En fin de semaine dernière, le ministre de l'écologie s'est rendu sur place pour tenter de ramener du calme auprès des zadistes. Et on ne peut pas dire que l'opération ait été couronnée de succès. Voyons comment cela s'est passé. On veut dire aux zadistes que l'écologie, ce n'est pas l'anarchie, et que la surlie, c'est fini. Et là, je n'ai plus de rime en « i ». Je m'approche, moi, Nicolas Hulot, je m'approche de la ZAD et ouh, il règne ici une forte odeur d'herbe de Provence et d'aisselle mal lavée. Je fends l'épaisse fumée qui fait rire et qui pique les yeux pour pénétrer dans un campement. Faites attention tout de même, Nicolas Hulot, les zadistes ont l'air très remontés. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai affronté par le passé des requins, des éléphants, des tigres, des crotales et même Eva Jolie. Ce ne sont pas quelques hippies en tongs qui vont me faire peur. J'aperçois justement un regroupement de zadistes. Ah, ils sont calmes? Ouh, toutes absorbées par leur atelier macramé, ils semblent ne pas me voir. Et puis, avec ma coupe au bol et mon costume dépareillé épaulette molle, je me fond dans le paysage. Je vais maintenant tenter d'établir le contact. Bonjour, mes chers zadistes. Moi-même écologiste, je viens ici en ami. Que se passe-t-il, Nicolas Hulot? Un zadiste armé d'une fronde vient de m'envoyer un morceau de tofu. Mais plus de peur que de mal, je vais à nouveau tenter d'établir un dialogue constructif. Mes chers zadistes, je viens ici en tant que ministre du gouvernement. Nouvel échec. Et que se passe-t-il encore? Cette fois, ce sont carrément des bouses de vache qui me lancent avec une catapulte artisanale. Je crois que le dialogue est impossible. Qu'avant de me retirer, je vais à mon tour leur envoyer mes munitions. Bah enfin, Nicolas Hulot, vous avez toujours été du côté des écologistes. Vous n'allez tout de même pas leur tirer dessus? Si, je vais leur envoyer mes gels doux chuchuaya pour éradiquer les agités congénitaux. Je ne vois que la solution, des perturbateurs endocriniens. L'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes tourne au fiasco d'après Le Point. Après 15 jours d'opération et 2500 gendarmes sont mobilisés, le gouvernement ne parvient pas à évacuer les zadistes. Heureusement, la gendarmerie peut compter sur son unité d'élite, tout droit venue de Saint-Tropez. Garde à vous, messieurs, messieurs, l'heure est grave, très grave. Le gouvernement est en train de perdre la face. Hein. Nos vaillants soldats de l'ordre républicain se font prendre pour des zozos, par de malheureux punks à chiens. C'est lamentable. Mais c'est qu'ils sont pas faciles à attraper, mon adjudant. Les zadistes, ils sont nourris au grain et à l'air libre du coup. Ils courent vite, hein. Qu'est-ce que j'entends, Fougas? Vous êtes 2500 bottés, casqués, armés, véhiculés, et vous n'arrivez pas à mettre la main sur des va-nu-pieds. Vous êtes la honte de la République, Fougas, la honte. Ouais, vu qu'ils se lavent que quand il pleut, on a bien essayé de les repérer à l'odeur, mon adjudant.
Mais avec les gaz lacrymogènes qu'on envoie, on sent plus rien du tout. Il suffit, Fougas. Appelez-moi le maréchal des logis Cruchot. Enfin, Fougas, arrêtez cette zadiste à dreadlocks vêtue d'un sarouel qui vient nous narguer. Ah, c'est pas une zadiste, mon adjudant, c'est la chanteuse Zaz. Mais non, imbécile, c'est moi, Cruchot. Regardez, j'enlève mes cheveux sales. Hop, et hop, c'est moi. Touchez mon crâne lisse comme un galet. Mais enfin, Cruchot, vous n'avez rien de mieux à faire que vous déguiser en Zaz. Je vais vous expliquer. C'est pour infiltrer les zadistes, mon adjudant. Je suis déguisé en zaziste. Regardez. Démontre-moi. Alors, je remets mes cheveux sales. Je me parfume au fromage de chèvre. Et j'avance à pas de louche, en Zaz dans la Zaz. Et paf, et voilà, j'ai attrapé une zadiste et hop, les menottes. Et là, une petite promotion. Une petite promotion, mon adjudant. Oh, hé, t'es pas bien, toi. Tu t'es cru dans les bridades du tigre ou quoi, hein? Cruchot, vous êtes sûr que s'il s'agit d'une zadiste? Regardez bien. Regardez là. Avec sa chapka. Habillée comme un sac. Ouh, quelle vilaine. Oh, hé, là, t'as pas vu ta gueule, toi? En plus, t'es gaulé comme un sandwich SNCF. Et agressif avec ça, au cachot. Qu'on mette la gueuse au cachot, mon adjudant, au cachot, la gueuse au cachot. Mais t'es complètement siphonné de la cafetière, toi. Je suis de la maison Poulaga, baldringue. Enfin, Cruchot, libérez immédiatement cette femme, cette chapka, ces fringues venues de chez Emmaüs, cet accent picard, ces répliques à deux balles, ça ne vous dit rien? C'est le capitaine Marlowe. Votre meilleur élément qui réunit chaque semaine 7 millions de téléspectateurs. Attendez, je tire sur la chapka. Ah! C'est pas possible! Marlowe! Je suis confus, ma capitaine. Je me jette à vos pieds. Me tapez pas. Ouais, tu peux me baiser les panards, toi. Ça changera rien ton corps. Je vais te remuter la circulation. Surtout pas, capitaine. Il serait capable d'arrêter le taxi de Luc Besson. C'est aujourd'hui la journée mondiale du livre organisée par l'UNESCO. Elle vise à promouvoir la lecture. Fumier ! Encore vous, Gérard Depardieu ? Vous n'aimez pas les livres ? Mais si, j'aime les livres. C'est meilleur. C'est mes meilleurs amis, les livres. Oui. Mais les gens ne lisent plus. T'as remarqué? Oui. Ils préfèrent lire les conneries d'Internet sur leur téléphone. Au-delà de trois phrases, ils s'emmerdent. Les gens lisent comme ils bouffent, vite et mal. Je dis, mais t'as raison, je suis d'accord avec toi. Tiens, bonjour Guy Bedos, vous aussi vous trouvez que les gens ne lisent plus? Oui, il n'y a qu'à ouvrir les oreilles pour s'en rendre compte. Tout à l'heure, j'entendais un footballeur baragouiner des phrases sans queue ni tête sur votre antenne. On n'avait qu'une envie, c'est qu'il ferme sa gueule et qu'il ouvre un bouquin. Hein? Oui, bravo! Et tous ces crétins de rappeurs qui prétendent faire évoluer la langue française alors qu'ils n'ont jamais vu la couleur d'un dictionnaire et confondent bécherel et béchamel. Hein, tu crois qu'ils devraient lire un peu plus, non, avec leur casquette en arrière? Et tous ces abrutis de la télé-réalité qui parlent français comme mon neveu de 8 ans et qui ont les neurones et qui explosent et qui doivent prononcer un mot de 3 syllabes. J'en peux plus. Qu'est-ce que tu bois, Gérard? Je vais prendre un petit coup de blanc, c'est bon le matin. Madame, mettez-nous de verre de blanc, s'il vous plaît. Vous voulez rajouter un morceau de lard et quelques rondelles de sauciflard? Non, je crois que vous vous confondez. On n'est pas au bistrot du coin, là, on est sur RTL. Et puis j'ai une émission à finir, hein, merci. Mais vous trouvez un bar juste en sortant des studios, là. À Neuilly, tu te fous de ma gueule? Avant, rue Bayard, tu sortais, t'avais chez Savine un joli bistrot. Hein, avec des plats canailles. Tu sais ce qu'il y a maintenant en dessous d'M6, oui. Enfin de RT6, enfin de RTL, hein? Oui. Une parfumerie. Oui, ils sont très bien d'ailleurs. Oui, ça va. On va quand même pas se bourrer la gueule au numéro 5 de Chanel et remplacer les rillettes par une crème de jour. Ah, mais tout fout le camp, bon Dieu! En parlant de livres, oui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je viens de publier le mien. Oui. Les leçons du pouvoir. Oui. 22 € édition stock. Pour un livre acheté, une cravate de travers offerte. Mais oui, on sait, désolé, mais si ça se vend pas. Hein. Mais on en a parlé toute la semaine dernière. Merci, monsieur Hollande. Mais
Vous écoutez RTL. Bonjour Gérard. Bonjour. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Emmanuel et Brigitte Macron sont aux États-Unis depuis hier, vous le savez. Après leur arrivée, ils ont dîné avec Donald Trump et son épouse à Mount Vermont. Quelle est l'ambiance ce matin au réveil? Nous retrouvons le couple Macron en direct de leur hôtel. Emmanuel, baisse un peu ta musique de sauvage. Je n'arrive pas à me concentrer pour faire mes mots fléchés, mes crossing words. Donald, lui au moins, il nous a mis de la harpe. Mais c'est pas de la musique de sauvage, c'est du Bruce Springsteen. Un chanteur américain, parce que l'Amérique, c'est super. C'est vrai? Tu as aimé ton dîner chez Donald et Melania hier soir? Oui, c'était bon, surtout le soufflé au chocolat. Je t'ai vu. Tu t'es gavé. Et pourtant, je t'ai déjà dit que c'est plein de sucre caché. C'est du poison. J'espère que tu en as bien profité parce que, hein, dès notre retour à Paris, c'est des carottes râpées et des brocolis. Oh, Brigitte, c'est dégueulasse tes brocolis. Ne fais pas l'enfant, Emmanuel. Si tu continues à manger comme un Américain, tu vas grossir et ressembler à un barbe à papa comme François Hollande. Et en tout cas, Brigitte, c'était chouette le bureau ovale. T'as vu tous les téléphones qu'il a, Donald? Oui, enfin, c'est un peu douteux. Ils n'ont pas changé la moquette depuis les frasques de M. Clinton et Mme Lewinsky. Il y a encore des taches sur la moquette et les rideaux. Bark! Allons bon. Qui m'appelle sur mon portable maintenant? Brigitte Macron speaking. Allô, Brigitte. This is Lynn Renault. Ah, il y avait longtemps, qu'est-ce qu'elle me veut encore? Good morning, Lynn. Que me vaut le plaisir de votre appel? J'ai vu à la télé sur TV5 Monde que vous étiez en voyage aux States avec le petit. Et je me demandais s'il n'y aurait pas une place pour moi dans l'avion présidentiel pour revenir en France. Je suis toujours bloqué à Vegas. Il refuse de me vendre un billet. Il n'accepte pas les bons porteurs en France. C'est pas possible, mais elle me prend pour son chauffeur Uber ou quoi? Mais avec plaisir, Lynn. Oh, c'est formidable. Merci, Brigitte. Vous êtes un amour, comme le chantait Dean Martin. Ah, mon cher Dino. Everybody love somebody sometime. Everybody fall in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Le texte Asile et immigration du gouvernement a été voté à l'Assemblée nationale et la semaine dernière, la ministre MoDem auprès du ministre de l'Intérieur, Jacqueline Gourault, s'est accrochée vertement avec les députés républicains. Vous me laissez parler, s'il vous plaît ! Alors, hein, les petits malins de la matinale, oui. Hein, on fait moins les malins, justement. Hein. Vous avez vu comme elle balance, ma Jacqueline Gourault? Oui, alors d'abord, bonjour François Bayrou. Vous souhaitez réagir au pétage de plomb pour reprendre les propos de la presse de la ministre de votre parti, le MoDem, Jacqueline Gourault. Depuis des mois, le MoDem et mes deux stars ministres, oui. Geneviève Darrieussecq et Jacqueline Gourault, sont moqués quotidiennement pour, soi-disant, leur manque de charisme et leur mollesse. C'est mou, ça, peut-être? Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Ah non, en effet, c'est pas mou du tout. Ça fait même un petit peu peur. Oui. Alors, je vous préviens, mademoiselle Jade, oui. Et vous aussi, monsieur Calvi, si vous continuez à m'embêter et à vous moquer de moi et de mes grandes oreilles, je lâche ma Jacqueline Gourault. Elle va vous déchiqueter. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. C'est une gueudin, la Jacqueline. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais question au gabarit. On sent qu'il ne faut pas trop la chatouiller, non. Jacqueline. Mm-hmm. La barbe en moins, c'est Bud Spencer. Bon, bah, nous voilà prévenus. D'ailleurs, en préparant son voyage aux États-Unis d'Amérique, j'ai dit à Emmanuel que si M. Trump lui faisait des misères avec l'accord sur les armes en Iran, j'enverrais sur le champ Jacqueline Gourault pour lui tirer les oreilles. Oui, ça va vraiment lui faire peur. Absolument. Au MoDem, nous ne nous laisserons plus marcher sur les pieds. Et si la menace Gourault ne suffit pas, j'enverrai le doyen du MoDem, Marcel Deneux, faire le ménage. Je peux vous dire qu'il peut vous casser la tête, Deneux.
Après des mois de tensions diplomatiques entre Donald Trump et Kim Jong-un, le chef de la CIA a rencontré le leader nord-coréen. Bonjour John Rambo, pourquoi cette rencontre ? C'est pour préparer le sommet prévu début juin entre Donald et le petit gros à tête de fesse. Kim Jong-un, c'est ça ? Et quel est l'objet de ce sommet ? Apparemment, Kim Jong Bidule, il est prêt à renoncer aux armes nucléaires, à mettre fin à la guerre entre les deux Corées. Et vous y croyez ? À mon avis, c'est un coup fourré. C'est ce que j'ai dit à Donald. Il faut se méfier des faces de citron. C'est des fourbes. Mais tu veux pas le savoir, toi, t'as pas fait la guerre. Ah ben non, racontez-nous, John. C'était la semaine dernière dans le Chinatown de Chicago. Avec mon pote Bobby, on allait dîner au Délices de Séoul. Un restaurant barbecue coréen qui avait des bonnes critiques sur TripAdvisor. Après le cocktail d'accueil, Litchi Grenadine, le serveur, est arrivé pour prendre la commande en nous demandant le plat du jour. Des brochettes de canard à la coréenne. Mon pote Bobby lui a demandé si c'était épicé, il a répondu que non. Du coup, il a pris ça. Sauf qu'au bout de la troisième bouchée, il s'est mis à lâcher des perles. Mais c'était pas des perles de coco, plutôt des perles Arbor. Je l'ai vu se lever et partir en courant dans les WC. Et comme il revenait pas, je suis allé le rejoindre pour voir ce qu'il faisait. Mais quand je suis arrivé, c'était trop tard. Il avait repas la moitié des toilettes. Je peux pas me sortir de ma tête. Tu comprends, je peux pas. Oui, bon, mais enfin, vous confondez tout là, John. Je vous parle de diplomatie internationale et vous me racontez votre dernière sortie au restaurant. C'est une métaphore. C'est pour dire que quand les bridés veulent te faire avaler un truc, c'est toujours par derrière. Hein, et les promesses de Kim Jong-bidule, c'est pareil. Et ce qu'il ignore, c'est que cette fois, c'est moi qui m'occupe du dessert. Et s'il nous sert des fausses promesses à bouffer, je mettrai une tarte au citron. La grève se poursuit à la SNCF. Les usagers sont excédés. Pour leur donner du baume au cœur, nous vous proposons en exclusivité un nouvel album de chansons joyeuses dédié à la SNCF. Univers Rail Musique présente Michel Fugain et le Big Bazar à la SNCF. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va tout bloquer. Pour prendre votre mal en patience, laissez-vous bercer par les plus grands succès ferroviaires de Michel Fugain. Chante, la vie chante, comme si tu devais partir demain. Comme si t'avais un train en partance. Chante, oui, chante. Michel Fugain chante la grève. Avec son grand succès, je n'aurai pas le train. Je n'aurai pas le train. Pas le train. Même en courant. Plus vite que le vent. Plus vite que le temps. Même sur les mains, je n'aurai pas le train, pas le train. Des invités prestigieux chantent la grève sur des succès de Michel Fugain. Patrick Bruel, c'est la grève. Tiens, rien n'a changé ce matin, il n'y a plus de train, c'est la grève. La grève. Jeune, vieux, grand et petit, tout le monde l'a subi. C'est la grève. La grève. La CGT fout le bordel. Le Sudrail aussi. C'est encore pareil aujourd'hui. Ils vont encore nous emmerder. C'est privilégié. Quand on va bosser. C'est la grève. La grève. Avec ce tube incontournable que vous pourrez chanter dans le train à votre contrôleur, à la manière de Charles Aznavour. C'est comme le cheminot. Sa vie d'air pur et de grève. Un cheminot. Il ne fait jamais la trêve. Le cheminot. Et pour nous, c'est marche ou crève, mon coco. Les cheminots. Inédit bonus track, Johnny chante Fugain et la merveilleuse histoire d'amour qui unit les usagers à la SNCF. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.
Il voulait rentrer chez lui dans le brouillard. Et le descendait dans le midi. Ils l'ont pas trouvé en gare, un seul train. Un jour de départ en vacances, ils n'ont vraiment pas eu de chance. Ils reprirent alors, oui, chacun leur chemin. En se disant c'est beau la France, et les feignants vont remettre ça demain. Ah là là. Bon, alors, vous avez là bien là. Fait de rester avec nous, hein, Benjamin Amaré. Merci. Ça vous avez pris plu, votre hein. dose de second degré pour la journée. Merci à toute l'équipe. Rediffusion oui. à 13h50, bien entendu, dans RTL Midi. Et puis, sur le site RTL.fr. Ouais. On se retrouve demain avec toute l'équipe. Il y aura d'autres chansons oui, sur la grève. Peut-être, non, pas encore. Ça devient, non, ça devient un rituel. Pas toujours. Ah là là. Donc, vous écoutez RTL. Mercredi, jour des enfants. Voilà. Ça vous convient assez. Mais toujours, toujours. Je veux dire, on a gardé une âme d'enfant voilà. dans ce studio. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Et avec Yves. Nous, la petite Jade. Oui, bonjour, monsieur Calvi. Cette fois, ça y est, le troisième enfant, justement, de Kate et William est né avant-hier. Ah, ah bah tiens, bonjour Patrick Bruel, qu'est-ce qui vous arrive encore? Non mais tu le fais exprès ou quoi? Tu parles de l'arrivée du gamin et tu dis rien du scandale du prénom? Le scandale du prénom? Mais de quoi voulez-vous parler? Pourquoi il ne l'appelle pas Patrick Somome? Même c'est à l'international, vrai. On m'humilie. Oui, vous exagérez un peu, non là? Oui, jamais. Non, mais c'est pas le genre. Le prénom, qui est-ce qui a joué dedans, hein? Qui est-ce qui a joué dans oui. le prénom, hein? C'est oui. pas William, oui. c'est Patrick. Oui, on sait, oui. De toute façon, je pourrais être le père, même le grand-père. Le grand-père? Mais le grand-père, c'est le prince Charles. Et alors? Tu me fais pousser les dents, tu me colles des grandes oreilles, je prends mon sceptre à la main à mon cousin et je vais me faire la bête à deux doigts à Camilla. D'accord, merci Patrick. Attends, tu me prends pas terre? Tu me prends pas terre? Oui. J'en ai gros sur la patatéose. Parce que si je veux, je peux même être la vieille queen. Oh bah non Patrick, ça c'est pas possible, on touche pas à la queen. Bah si, tu me colles un chapeau à la con, un tailleur pistache, et la vieille c'est moi. De toute façon en ce moment c'est la gratitude totale, le désamour. Regarde Macron, il part aux States, il m'emmène même pas avec lui pour chanter des chansons à Donald. Oui, bah, oui. C'est... Oh, in the USA, oh, in the USA. Alors que la sélection officielle du prochain Festival de Cannes vient d'être révélée, nous faisons le point sur cette nouvelle édition 2018 avec nos amis cinéastes, sous la férule débonnaire de notre spécialiste Eddie Mitchell, alias Monsieur Eddie. Absolument, Mijed. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Festival de Cannes, International Film Festival of Cannes. Mm-hmm. Et qui dit Cannes, dit The Croisette, ou Max Porcinet. Ah oui, l'immense Max Porcinet tournant en 1972 son film culte Les Glaces à deux boules. L'histoire d'une rouquine marchande ambulante qui vend des glaces à des bidasses avec Pierre Tornade, l'immense Tornade dans le rôle du maire, Jacques Fabry et Paul Prébois, et les deux bidasses et Darry Cole dans le rôle du maître-nageur. Je dis monsieur. Oui. Ben on rate encore quelque chose, mais ça nous éloigne du Festival de Cannes. Ça. Bertrand Tavernier, vous êtes alléché par la sélection officielle? Oui, alors, bon, moi disons que j'ai vu que dans la sélection officielle, il y a un film où Vanessa Paradis joue une productrice de films gays au rabais. Donc je suppose que c'est un pamphlet sur les comédies françaises qui sont souvent des grosses bouses. Il faut bien le dire. Hein, oh bah non, Bertrand Tavernier, excusez-moi de vous interrompre. Je crois qu'en fait, son rôle, c'est productrice de films gays, G-A-Y-S. Ah oui, bon. Alors autant pour moi, je croyais que le quota de films LGBT était assuré cette année par le film de Christophe Honoré. Plaire, aimer et courir vite, avec Denis Podalydès, le sémillant Denis Podalydès, l'histoire d'Arthur et Jacques, qui n'ont que le temps d'un été pour s'aimer. Mm-hmm. Hein. Remarquez tant mieux, parce que ça dure déjà 1h34. Ah oui Bertrand, un été ça peut être long et torride, comme dans la comédie israélienne Netanyahou, t'es rentré, on t'a pas vu sortir, l'histoire... d'une autostoppeuse, rouquine, qui se fait toute la bande de Gaza. Oui, bon, revenons au Festival de Cannes, monsieur Eddy. Je crois que Jean-Luc Godard présentera un film cette année, n'est-ce pas Jean-Luc Godard? Le film.
festival de Cannes. C'est une foire aux vanités sur tapis rouge. Sur le tapis, il y a des stars qui se photographient en train de se faire photographier par des gens qui se photographient eux-mêmes en photographiant des stars. C'est pour ça que Thierry Frémaux, le délégué général, a interdit les selfies. Et c'est bien parce que les selfies, c'est obscène. C'est comme boire son pipi ou comme manger son vomi, comme dans La Grande Bouffe avec Michel Piccoli. Et à la fin, Michel Piccoli... Oui, ben merci Jean-Luc Godard, on s'en souvient. Vous présenterez donc votre film Le Livre d'Images cette année à Cannes. Alors voilà. Le cinéma, c'est un livre d'images qui rend libre. Alors que la télévision, ça nous rend ivre d'images et c'est pour ça que ça nous saoule. Très intéressant. Tout le monde se demande si vous serez là en personne pour présenter votre film. Le cinéaste, qu'est-ce que le cinéaste? Le cinéaste n'est personne, donc si personne n'est là, c'est que j'y serai. Mais si j'y suis, alors c'est que j'y suis pour personne. Et finalement, s'il n'y a plus personne, alors je dis coupé. Josh Axe fait un tabac avec son livre « Salement bon pour la santé ». Le célèbre nutritionniste américain tient l'excès d'hygiène pour responsable de l'affaiblissement de notre système immunitaire. Bonjour José Bové. Bonjour mademoiselle Jeanne, on se fait pas la bise? Ben quoi, c'est le reste de poireau que j'ai dans la moustache qui vous remue? Ça peut être ça, oui. Faut pas d'abord, parce qu'avec un peu de chance, vous pourrez l'attraper au vol. Et puis c'est très bon pour la santé, le poireau. C'est riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Oui, en minéraux. Oui, enfin, s'il est là depuis hier... Justement, il le dit, Josh Axe, le nutritionniste américain. Les légumes, faut qu'ils soient un peu gâtés. Et puis craignez rien, parce que les petites bêtes l'ont déjà bien boulotté, le poireau de ma moustache. Les petites bêtes? C'est immonde. Ah oui, c'est immonde. Je suis, je suis tous les conseils de Josh Axe, qui d'ailleurs doit pas en mettre beaucoup de l'axe. Hein, ouais. Faut se laver le moins possible, qui dit. Ah bon? Que quand on va au travail, pour pas indisposer ses collègues. Comme ça, les petites bêtes, elles peuvent proliférer et c'est bon pour le corps. En plus, des restes de poireaux dans la moustache, elle mange tous les petites peaux mortes. Oh, mais c'est vraiment dégoûtant! Au contraire, je cite Josh dans le texte. Les douches quotidiennes perturbent le délicat équilibre maintenu par l'écosystème bactérien. Il faut donc laisser votre propre corps faire le travail de repeuplement de la peau. Bah, et quoi, c'est scientifique, mademoiselle Jeanne? Oui. L'hygiène empêche que le corps se défende. Votre corps, faut l'exposer aux bactéries. Tout à fait. Tiens, ce matin, vous êtes venu comment à RTL? En métro. Bah, j'espère que vous avez léché la barre du métro pendant le trajet. Ah non, mais je me sens pas bien, mais quelle horreur! On va pas vous étonner après ça d'être malade. Hein. Les barres de métro, c'est idéal. Il y a plus de 600 bactéries là-dessus. Oui. Alors la prochaine fois, léchez-la, ça fera plaisir à votre flore intestinale. Sans doute. Enfin, la seule condition, que ceux qui ont mis leurs mains avant aient eu la bonne attitude. Hein. Oh là là, laquelle? C'est pas possible. Ça, je peux pas, là. Bah, ne pas cette tartinée de gel antibactériologique. Ah ouais. Lécher une barre propre, ça sert à rien. C'est vrai. Ça vous embête pas si j'embarque ce vieux stylo qui traîne là? Ah non, prenez-le. Je crois qu'il fonctionne plus. Bah, c'est pas pour écrire, c'est pour le sucer sur le chemin de retour. Je connais José Bouvet, il est très propre. Pardon José. Le petit club vendéen des Herbiers s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France de football où il affrontera le Paris Saint-Germain le 8 mai prochain. Le plus vendéen d'entre nous est là pour en parler. Bonjour Monsieur De Villiers. Tous en formation, préparez-vous au combat. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? J'apprête mes troupes à l'assaut de Paris. La cité babylonienne, infestée de filles de petites vertus qui font de la trottinette avec une patte de chameau dans le legging. Et d'invertis qui se dandinent sur les chars de la Gay Pride avec la ficelle du string enfoncée dans le sif. Oui, bon. Interfécier. Oui. Mais quel rapport avec le foot? Silence, fille de radio. Je n'ai pas terminé. Pardon. Une fois débarrassés de cette vermine, nous bouterons les Qataris hors de France et planterons le drapeau vendéen sur le fronton du Parc des Princes. Préparez les archers, chargez les catapultes. Mais calmez-vous, monsieur De Villiers, vous n'allez pas faire la guerre, juste disputer la finale de la Coupe de France. Tais-toi, la gueuse. Comment oses-tu me demander de me calmer? L'heure est au combat.
Si tu ne te montres pas coopérative, tu vas finir en cachot. Ouais. Alors rends-toi utile. Il va brosser mon cheval. Je veux qu'il ait le poil soyeux et rutilant pour mon entrée triomphante dans la capitale. Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Je sonne l'olifant. Ah, mais c'est insupportable, on dirait une vache malade qui appelle au secours. Silence, la gueuse. C'est le chant de la victoire. Mon joie, Stanley, que trépasse si je faiblis. Sécurité. Est-ce que vous pouvez sortir ce monsieur, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oh, bah non, restez avec nous, surtout avec votre ravissante olifant. C'est, oui, c'est, vous en jouez avec nous. Oui, c'est. Subtilité, d'élégance, hein. C'est extrêmement plaisant. Il a une belle trompe, l'olifant. Oui. Et on le retrouvera à 13h50 RTL Midi et sur le site rtl.fr. Je suis sûr que ça va avoir énormément de succès. À demain. À demain. À demain. Vous écoutez RTL. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Oh, ça commence bien. Parti, oui. Oui. Oh, bonjour mademoiselle Jeanne. Bonjour monsieur Calvi. Vous êtes ravissante, comme d'habitude. Merci monsieur Calvi, je vous adore. Bonjour Jack Lang. Bonjour Jacques. Hashtag j'ai les nerfs. Hashtag quand on me cherche, on me trouve. Hashtag touche pas à Manu. Oh là là, vous semblez bien énervé encore, Jack Lang. Plus qu'énervé, mais on ne sait. Je suis vénère, bébé. En ce moment, tout le monde semble en vouloir à Emmanuel Macron. Quel bel homme. Un jour, ce sont des cheminots à catogan qui brûlent son effigie en chantant Bella Ciao. Un autre jour, des étudiants mal peignés le conspuent dans des amphis en fumée où il n'avait jamais mis les pieds avant la grève. Et je vous parle pas de ces retraités à cheveux bleus qui sont furibards sous prétexte qu'on leur a diminué leur pension. Alors qu'ils la dépensaient en achetant des chausse-pieds électroniques au téléachat. Bon, je comprends mieux pourquoi vous avez déclaré rester un indéfectible soutien du président. Mieux que ça, Ivanka. Je suis en train de fourbir une riposte d'envergure à la face des mécontents et des ingrats. Une riposte politique? Absolument pas, Mélania. Je prépare une riposte festive, ma spécialité. Oui. Les années longues, ça vous rappelle quelque chose? Bah, bien sûr. Remember. La boule à facettes du palace. Les pompiers du banana café. Les soirées mousse au Queen. Ah oui. Les mix interminables de David Guetta au bain. C'est des chiés, non? Oui. Alors, vous pensez que le président Macron pourrait penser à vous et à votre sens de la fête pour faire oublier ses réformes impopulaires? Évidemment, Armand. Encore récemment, à l'occasion du dîner donné en l'honneur du prince héritier saoudien MBS, je me suis fait remarquer. J'ai remarqué du président avec ma chemise rose assortie aux plateformes Boots Rose de ma femme Monique. Vous avez vu les photos, non? Ah, bah bien sûr. Et ce n'est pas tout, Nafisa Tou. Pour que le président pense à moi, à l'occasion du premier anniversaire de l'arrivée d'Emmanuel au pouvoir, je vais organiser un grand défilé, une Macron Pride. Une Macron Pride géante, je souligne. Avec tous les marcheurs, nous défilerons et nous chanterons Emmanuel comme un soleil. J'adore. Oui. De la gare Montparnasse à la gare de l'Est, au nez à la moustache, des gros bras de la CGT. Du courage, merde. Notre ami Stéphane Bern a été chargé par le président de la République d'une mission de sauvegarde du patrimoine pour lever les fonds nécessaires. Un jeu de grattage et un tirage spécial du loto seront organisés. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour à tous, bonjour mademoiselle Jeanne. Vous me semblez bien paluchonne ce matin. Ah, pas d'affolement. Prenez vite une cuillerée de jouvence de l'abbé Souris. L'abbé Souris, dont l'abbaye en péril sera peut-être sauvée si vous m'achetez un billet de tombola. C'est vrai que vous avez eu l'idée de financer les travaux de sauvegarde de nos monuments en péril au moyen de jeux de hasard et de généreux sponsors. C'est ingénieux, Stéphane. Mais oui, vous avez tout compris. Vous m'achetez un billet et vous m'aidez à sauver le théâtre à l'italienne de Bar-le-Duc, la maison de Pierre Loti à Rochefort ou la couronne du prince Albert à Monaco. Ah bon, la couronne du prince est menacée? Sa couronne dentaire, bien entendu. À Lyon, pour sauver le musée des tissus, vous avez fait tirer au sort un déjeuner avec vous et ça a marché. Eh bien, nous allons faire encore mieux. Pour sauver tout ce qui branle, tout ce qui croule et tout ce qui se barre en couille dans le royaume, nous allons organiser des dîners de gala avec le roi et la reine. Le roi et la reine? Oui, le roi Merlin et la reine des Vérandas, Akhéna. Mais il y a aussi le baron de l'Estaque, la comtesse du Barry, monsieur de Fursac, le prince de Lu et les restaurants McDonald's. McDonald's, c'est un peu surprenant de les avoir comme sponsors, non?
Pas du tout, mademoiselle Jeanne. Oui. Ils vont nous aider à tout réparer. Car n'oubliez pas que McDonald's est le spécialiste de la restauration rapide. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ? Je suis venu vous parler d'un événement de la plus grande haute importance. Ah oui ? Ça concerne la menace terroriste, peut-être ? Non, beaucoup plus important que ça. Ah bon, la France déclare la guerre à la Russie ? Non, encore plus important. Un événement crucial et déterminant pour l'avenir du pays qui aura lieu le 28 avril. Mais qu'est-ce qui se passe le 28 avril ? Nous allons tenter de battre le record du plus grand machon du monde à Lyon, au stade Gerland. Ah, mais vous m'avez fait peur. Et le record est à combien ? Pour l'instant, le record est de 1000 participants. Et nous allons tenter de faire plus. Le menu composé par les chefs Yanis Rousseau et Claude Barbet proposera de la terrine de foie de volaille au lard, oui, un saucisson chaud et sa purée, un Saint-Marcelin, évidemment, de la mère Richard, évidemment, et une tarte, évidemment, aux pralines. Autant dire un menu super. Ça a l'air bon. Bien, merci, monsieur Collomb, de nous avoir communiqué cette information de la plus haute importance. Attendez, je n'ai pas fini. Si je suis venu vous voir, c'est car j'ai besoin de vrais mangeurs pour que l'opération réussisse. Ah. Des gens bien entraînés avec un solide coup de fourchette, de solides gaillards qui ne se laissent pas intimider par un saucisson chaud et un coup de Beaujolais à 9h du matin. Oui. Des bons vivants qui n'ont pas peur de tacher leur chemise cellulaire en mangeant. En aucun cas. Je vois enfin où vous voulez en venir. Vous voulez inviter Yves Calvi ? Absolument, si Monsieur Calvi pouvait venir, évidemment, ce serait super. Et moi, je ne suis pas invité. Écoutez, avec plaisir, je vais demander au chef de préparer un menu à base de quinoa, de tofu et de graines germées, rien que pour vous, mademoiselle Jeanne. Voilà, merci monsieur Collomb. Rendez-vous le 28 avril alors. Super. J'ai pris ça. RTL vous a révélé la semaine dernière que Jean-Marie Le Pen avait prévu de célébrer le 16 juin prochain ses 90 ans à bord d'un bateau-mouche autour de nombreux convives. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que c'est que cette musique, Jean-Marie Le Pen ? C'est dansant, n'est-ce pas ? Ah oui, oui. La croisière s'amuse pour mes 90 ans à bord d'un bateau-mouche. Quoi de plus naturel ? Love Boat, ce serait le thème musical de la soirée ? Yavol ! Ambiance Kriegsmarine ! Ya ! Mais pas que, j'ai également convié un orchestre bavarois qui reprendra joyeusement tous les succès de la Wehrmacht. Croyez-moi, il y aura de l'ambiance sur notre embarcation, n'est-ce pas ? Et nous ne ferons pas un fou avec cet anniversaire, n'est-ce pas ? Ok, on annonce la présence d'Alain Soral et de Dieudonné. Vous n'avez pas peur qu'il gâche un peu la fête ? Au contraire. Je n'ai pas choisi d'inviter messieurs Soral et Mbala Mbala pour animer la soirée, mais pour préparer le buffet. Je ne savais pas que Dieudonné cuisinait. Oui, monsieur Soral aussi. Ils nous serviront une farandole de quenelle tout à fait remarquable. D'accord. Ben, ça va être chouette. Pour la gaudriole, j'ai convié, n'est-ce pas, mon comique troupier favori, malheureusement, ostracisé par la caste comico-bobo-judéo-islamo-canal-plus-o-médiatique, oui, qui trouvera sur mon bateau-mouche un cadre idéal, je vois, pour délivrer ces saillies qui sont si hilarantes. Mais de qui s'agit-il ? De mon ami. Je sais que ça va faire plaisir à M. Calvi. Oui. Jean Oucas. Ah, oui. Tiens, mon bon Jean, viens nous distraire. Je m'excuse. Cette imitation du bolchevique Georges Marchais n'est-elle pas criante de vérité ? Vous trouvez ? Moi, je pense qu'un caniche n'y retrouverait pas ses petits. Hein. Un craque-crotte de caniche. Non, mais attendez, mais c'est lamentable. Oh, mon œil pleure de rire. Je suis au septième ciel. Appelez-moi Dieu. Cette croisière s'annonce sur les meilleurs auspices. Vous voulez plutôt dire à l'hospice. Oh, c'est à mourir de rire. Bon, là, c'est plus possible, la jingle. Oh, mon bateau, oh, oh, tu es le plus beau des bateaux, love.
Life's sweet as la 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 la. Oh là là, quelle soirée en perspective. Alors, en attendant, rediffusion à 13h50 dans RTL Midi et bien entendu sur le site RTL.fr. Merci beaucoup. À demain. Merci. J'ai pris grand plaisir à embarquer avec vous ce matin. Vous écoutez RTL. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour. Tout va très bien, je sauf dis bonjour. Pour les usagers. Oui, ah, pas comme d'habitude, c'est normal. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Vous avez de bonnes, vous. Qu'est-ce que vous trouvez qu'il a de bon ce jour? Bah, ça commence bien. Avec ce qu'on vit en ce moment, il n'y a pas de bonjour, il n'y a que des mauvais. Continuez comme ça et je vous le prédis des lendemains qui chantent, moi. Non, bah, ça va aller. Merci Jean-Luc Mélenchon. Pour essayer de comprendre les enjeux de ce conflit, nous avons demandé l'aide des chiens, François Morel et Bruno Locher. Six cases, code qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut, puisque c'est mon gars Bruno Locher de Paris. Bonjour Bruno, comment t'appelles-tu? Bruno Locher. Très bien Bruno. Alors Bruno, tu es, comment dirais-je, syndicaliste à la CGT et tu travailles aussi un petit peu à la SNCF, hein, quand tu as le temps. Hein. Mais c'est bien ça Bruno? Ah oui, c'est ça. Avant j'étais à la RATP, mais il y avait trop de boulot. Très bien Bruno. Alors je te rappelle que hein, tu es donc en grève illimitée. Hein. Ce qui est important, c'est illimité la grève. Hein. Et quelles sont tes motivations, pour ainsi dire, mon gars Bruno Locher? Bah, disons que ma motivation première, disons que, pour faire plaisir à M. Martinez, hein, M. Martinez est notre chef à la CGT, hein, il aime bien quand on fait la grève. Eh, M. donc Martinez, c'est, hein, on rappelle, c'est le monsieur moustachu qu'on voit à la télé, qui est pas commode. Hein. C'est bien ça, hein? Ouais. Donc, Bruno, on peut dire que tu fais la grève, d'abord, pour une motivation sentimentale. Hein, deuxième motivation, pour que tu sois en grève, Bruno, nous t'écoutons. Ah ben, deuxième motivation, hein, c'est pour emmerder les gens. Ah, deuxième motivation, emmerder les gens. Et combien de gens, approximativement, Bruno, tu veux emmerder? Ben, je sais pas, moi, de 2 à 3 millions. tout le monde... Tout le monde debout à 4 heures hein, pour aller à pied au boulot. Douche froide dans le noir. Dans le noir, la douche froide. À cause que pas d'électricité. Hein, donc, la douche froide dans le noir. À 4 heures, un quart. Tout le monde dans la rue. Hein, en train de marcher pour aller au boulot. Donc, 4 heures, un quart au boulot. Toujours, 5 ou 10 kilomètres. Hein, allez hop. Peut-être un petit bus par-ci par-là, un petit métro. Ah non, rien, rien. Tous à pied, tous à pied, pour qu'ils soient bien emmerdés. Sinon, Monsieur Martinet, il sera pas content. Hein. Et puis c'est nous qu'on va prendre. Hein. Alors là, moi, un gars comme Bruno, qui est prêt à faire des efforts. Pour que son patron, M. Martinez, hein, il soit content. Alors moi, ça, je dis chapeau. Hein, ah oui. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Ah ouais, hein. Alors, si vous voulez, vous aussi, que mon Bruno, il vienne vous emmerder en illimité. Rime, hein, illimité, hein, comme CGT, hein, je précise bien, vous tapez vite 3615, code qui n'en veut. Wow! Ben alors... Les fans de James Bond sont en émoi. Qui sera le nouveau James Bond? Nous avons rencontré quelques candidats au casting. Bonjour Patrick Bruel. Appelle-moi L. Bru, L. Ah, ben c'est ce que je viens de faire, Patrick. Attends, je t'arrête tout de suite. Commence pas avec tes questions faussement innocentes du style « Dites-donc Patrick, on vous a vu dans Prof et dans Tu veux ou tu veux pas, vous êtes sûr de pouvoir incarner James Bond ?» Ah non, ça, je ne le permettrai pas. Tant mieux, parce que tout le monde parle d'un James Bond noir, d'un James Bond gay, même d'un James Bond femme, et personne ne pense à un James Bond qui chante Barbara. Bonjour. Mais non, nulle part. Surgit un spectre, Noah. Très convaincant, en effet. Ouais. Vous pensez pouvoir succéder à Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig? Et Pierce Brosnan. Mais pas seulement, tu mets un tailleur d'art et une perruque blanche, je peux jouer M. Tu me files une machine à écrire et Money Penny, c'est moi. Bonjour, James. M vous attend sur le bureau. Je peux me faire le générique. Goldfinger. Je dis que James Bond, c'est moi. Certes, mais James Bond est un athlète complet, Patrick. Et alors, moi aussi, chaque année, je vais à Roland-Garros prendre un rhume. Et le ski, l'escrime, la boxe, le judo, la lutte à main plate, le mini-golf, le yoga... La Zumba, moi aussi, je peux en faire si je m'inscris à la mairie d'arrondissement. Mais ils sont bouchés ou quoi, la Golden Meyer?
Un autre candidat inattendu se serait également présenté au casting des prochains James Bond. Il s'agit de notre ami Laurent Ruquier. Eh oui, tout à fait. On va pas se gêner, on va être partout. Après la bande à Ruquier, on va lancer la bande à James. La James Bond. C'est excellent. Et il y aura qui dans cette nouvelle bande? Toujours les mêmes, on ne change pas une bande qui bande bien. Avec Pierre Benichou dans le rôle du spectre. Et pour la James Bond Girl, vous avez choisi qui? Oui, ça ne sera pas Claude Sarraute dans L'espion qui m'aimait. Eh oui, m'aimait. Et aussi un nouveau générique pour remplacer celui de John Barry. Ah, c'est quoi ce nouveau générique? Bonjour Patrick Sabatier. Bonjour, c'est Patrick en direct de la matinale de la première radio de France. Alors tout le monde est là. Yves Calvi est là. Oui. Alain Duhamel a trouvé de la Solexine pour son réservoir. Oui. Mademoiselle Jade est aussi là avec son poncho imperméable. Tout à fait. Nous sommes tous là. On va pouvoir lancer un nouvel avis de recherche au 3210. D'accord, volontiers Patrick. Profitez de l'antenne. On recherche quoi exactement? Ce matin, on recherche un acteur pour incarner un espion en smoking très séduisant qui roule en Aston Martin. C'est sympa, hein? Ah bah, très sympa. Pas, en effet. Je suppose que c'est pour reprendre le rôle de Daniel Craig dans le prochain James Bond. C'est bien ça, Jade. Pour incarner James Bond, on cherche un animateur très sympa qui s'est honteusement fait virer de France Télévisions. Oui. Mais attention, il y a un mot de passe. Un mot de passe. Il y a un mot de passe comme dans mon jeu qui était très sympa sur France 2, qui l'a scandaleusement supprimé. Oh, mon c'est mot de tellement passe. Le fumier. Moi, j'adorais y jouer. Hein. Attention, Jade, ce n'est pas le moment de couiner. Concentrez-vous. Je vous rappelle qu'on cherche un animateur très sympa avec un sourire plein de dents pour remplacer Daniel Craig de James Bond. Je vous donne un premier indice, je vous dis Patrick. Patrick Dempsey. Concentrez-vous, Jade. Je vous dis, jeu de la vérité très fédérateur viré par Delphine Ernott, disponible de suite. Patrick Sabatier. Mais oui, Patrick Sabatier. Hein. C'est ça le mot de passe. C'est très très sympa. Alors appelez vite les producteurs de James Bond et l'OMI 5.